Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau comparatif de Made in Tech. Aujourd'hui nous allons voir les meilleurs ordinateurs portables. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu à cette vidéo, vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 1, Apple MacBook Air M2. Cet ordinateur portable est disponible à partir de 1299 €. Le MacBook Air M2 a des finitions toujours aussi soignées et une dalle très bien calibrée. C'est un ordinateur plutôt silencieux avec d'excellentes performances, une bonne autonomie et une caméra en 1080p. Il a en revanche une connectique limitée et peut par moments chauffer un peu trop. Numéro 2, Asus ZenBook 14. Cet ordinateur portable coûte un peu plus de 1000 €. L'ordinateur offre une dalle très bien calibrée, une connectique complète et une autonomie correcte. Son processeur Intel Core i7 offre de belles performances globales à l'utilisation. En revanche, la qualité de la webcam n'est pas terrible. L'ordinateur ne possède pas non plus de traitement anti-reflet pour la dalle. Numéro 3, Honor Magic Book 14. Avec de bonnes performances et une dalle bien calibrée, c'est un ordinateur portable disponible à partir de 1169 €. Il est doté d'un écran 14 pouces et offre une bonne autonomie pour travailler. Avec une connectique fournie, vous n'aurez pas de problème pour ajouter des périphériques. En revanche, la dalle est un peu trop brillante et la caméra offre une qualité HD 720p seulement. Numéro 4, Huawei MateBook D16. Avec son écran bien calibré et une connectique complète, c'est un PC à moins de 1000 € parfait pour un usage bureautique. Les performances globales sont plutôt correctes et permettent de travailler en toute sérénité. Attention en revanche à l'autonomie qui est à revoir du côté de chez Huawei. Le MateBook D16 possède également une mémoire vive soudée que vous ne pourrez pas remplacer. Numéro 5, Samsung Galaxy Book 2 Pro. L'ordinateur portable possède d'excellentes performances et peut vous permettre de jouer comme de travailler. Sa dalle bien calibrée et son autonomie satisfaisante sont parfaits pour une utilisation intensive. De plus, l'ordinateur portable est vraiment léger et agréable à l'utilisation. Ce qui est dommage en revanche, ce sont les performances du SSD qui pourraient être nettement meilleures. Le prix du Samsung Galaxy Book 2 Pro est également élevé et peut ne pas être accessible à tout le monde. C'est tout pour cette vidéo sur les meilleurs ordinateurs portables. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt.